ils ont sur l'écologie, sur... voilà, regardez, voilà, les gens applaudissent. Voilà. Alors on a un autre kite, le Sea Kite, qui lui est un système avec un pilotage automatique et tout un système de lancement. Donc on va mettre à l'eau mon ancien catamaran hydraplaneur qu'on a rebaptisé le Sea Kite et qui va nous permettre de développer ce système. Le Sea Kite part en direction d'Arcachon. Ça y est, enfin. Bravo les gars, bravo l'équipe, merci. Bravo Yves, bravo toute l'équipe. On vous soutient depuis un petit moment. Merci. C'est chouette. Bientôt les belles démonstrations, voilà. Sur le bassin. Hein, c'est le début de l'aventure en vrai. C'est le début de l'aventure. Bravo Yves. Voilà, c'était c'est le départ du chenal du Méran du Sea Kite Beyond the Sea. Ce bateau exceptionnel, prototype, complètement écologique, qui va aller sur le port d'Arcachon. La sortie exceptionnelle du Sea Kite, ce bateau. Ce bateau en fait qui préfigure les bateaux peut-être de demain, avec une panoplie de panneaux solaires, avec des voiles du kitesurf qui vont être installées. Là aujourd'hui c'est juste sa sortie du port du Méran pour aller à Arcachon tranquillement. Mais voilà, nous voulions vous présenter en fait cette belle sortie exceptionnelle du bateau d'Yves Parlier. Excusez-moi, je suis sur... Je suis moins sur mon bateau, donc il peut y avoir quelques à-coups. Alors vous voyez, c'est un bateau qui doit faire 12 mètres de large, donc le chenal est un peu court, voilà, un peu étroit, ça passe, mais juste. Vu Jean Mestras. De dos, vous voyez Yves Parlier qui est aux commandes, hein, avec de nombreux équipiers qui vérifient en fait, qui vérifient les passages, qui vérifient les distances. La marée haute est à 17h30. Voilà, c'est quelqu'un d'attachant qui a une profondeur, qui a une vision sur l'écologie, sur regardez. Voilà, les gens applaudissent. Bravo Yves! Et le bassin d'Arcachon, toujours, vous savez, notre bassin d'Arcachon, tellement beau, tellement à respecter, tellement à protéger. C'est le nouveau bateau de la CDSM.
Et donc vous allez le voir naviguer sur le bassin bientôt. Bah, cet été déjà. Ouais. Et on va avoir en plus un système qui va nous permettre, quand on est tracté sous kite, de fabriquer de l'électricité à bord avec la vitesse du bateau et des turbines qui vont recharger nos batteries.